Bonjour les enfants, nous allons voir une nouvelle poésie. Trois cerises rouges d'Elisabeth Ayanides. Voici le texte de la poésie. Écoute bien, je vais te le lire une première fois. Trois cerises rouges. Trois cerises rouges, tout en haut d'un cerisier, se balancent, je ne peux les attraper. Trois groseilles rouges, pendues à leur groseillier, se balancent, le pinson les a gobées. Trois petites fraises rouges, bien cachées sous les fraisiers. Pas de chance, l'escargot les a sucées. Trois framboises rouges, dressées sur leur framboisier. Je m'avance, je m'élance, c'est moi qui les ai mangés. Elisabeth Ayanides. Maintenant, suis bien le curseur rouge pour voir la lecture. Trois cerises rouges. Trois cerises rouges tout en haut d'un cerisier. Se balancent, je ne peux les attraper. Trois groseilles rouges pendues à leur groseillier se balancent, le pinson les a gobées. Trois petites fraises rouges bien cachées sous les fraisiers. Pas de chance, l'escargot les a sucées. Trois framboises rouges dressées sur leur framboisier. Je m'avance, je m'élance, c'est moi qui les ai mangées. Elisabeth Ayanides. Des cerises et un cerisier. Les cerises poussent sur le cerisier. Des groseilles et un groseillier. Un pinson, c'est un oiseau. Des fraises sur un fraisier. Des framboises sur un framboisier. Voilà, maintenant c'est à toi d'apprendre ta poésie et de l'envoyer à ta maîtresse pour voir si tu l'as bien apprise. À très vite!